Je m'appelle Fred Nguadji, je suis ressortissant de la République du Congo. J'étudie en Russie, précisément en Sibérie, dans la ville d'Irkoutsk, depuis l'année 2017, disons depuis la fin de l'année 2017. J'ai fait la première année à l'université polytechnique de la ville. Ensuite, j'ai postulé à l'université de Baïkal, étant dans la même ville. Maintenant, je suis en troisième année, je fais foresterie. Disons, tous en fait. Je peux dire ce qui concerne la forêt, la production forestière et autres, comment faire le reboisement. Bon, j'avais certaines, bon, plusieurs lacunes, je peux dire, quand j'ai postulé en première année. Mais maintenant, je peux dire que tout va bien avec le temps, je m'adapte, je m'efforce, j'essaie de faire de mon mieux pour que je puisse pas toujours être derrière, pour que je sois quand même là, que je sois au top, que je puisse apprendre, parce que ça n'a pas aussi un sens si je suis venu aussi loin pour ne rien apprendre. Tout ce que je peux dire de l'université, c'est que j'apprécie. Bon, c'est vrai, j'avais pas planifié d'étudier en Sibérie parce que ici le climat, il n'est pas comme chez moi. Chez moi, il fait chaud tout le temps, souvent, si on a des températures aux alentours de 28 degrés ou encore le maximum, je pense, c'est 35. Mais ici, il y a de ces moments, on atteint moins 40, des fois même moins 45, la sensation du froid. Donc, comment dire, bon, c'est tout ce qui ne me plaît pas ici, le climat. Mais dans l'ensemble, je peux dire que tout va bien, tout va bien. Et l'université, la cantine universitaire, la qualité d'enseignement, tout en tout cas, tout me plaît.